Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque du jour, voilà j'ai eu du mal, donc bonne chance contre Dark Fra, qui est niveau 8, et donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, qu'est-ce que je vais faire derrière? Eh ben je vais gagner, voilà, je vais l'exploser, si tu préfères, je vais bien l'exploser, hein, c'est wouh. Ça va y aller, t'inquiète. On a l'habitude hein, d'exploser les gens, ça, c'est devenu un métier carrément, tu vois, donc y a pas de souci à ce niveau-là. Regardez-moi ça, regardez, mais en deux secondes chrono, regardez ce que je lui mets. Mais regardez ce que je lui mets. Mais comment c'est possible? Comment? Et le pire, c'est que j'ai un molosse de lave. Moi, je m'en fous, hein. Je mets mon molosse de lave. Sa tour, elle est morte. Hein. Regardez-moi ça. Hop là, il me touche même pas ma tour. Gros. Ah, mais... C'est what, hein? Non, mais c'est bon, tu vois. C'est ça qui est bon, tu vois. Avec ce deck, c'est un truc de malade. Quoi que tu fasses comme compo, tu exploses tout. Bon, il faudrait pas que la personne ait du sorcier ou des... tu vois, par exemple, sorcière, tout ce qui est truc de masse. Donc, sorcier, sorcière, les esprits de feu aussi. C'est vrai que ça... Ah, ça explose bien. Tout ce qui est flèche aussi, boule de feu, missile, enfin, ces trucs-là. Enfin, roquette, plutôt. Ces trucs-là, franchement, ça me... ça m'explose un petit peu beaucoup. Donc, c'est vrai que, bon, effectivement, à ce niveau-là... C'est pas forcément très cool, mais sinon ça passe, tu vois, ça passe. On arrive quand même à s'en sortir, t'as vu, regarde, il a des esprits de feu, il a une sorcière, on s'en sort, y a pas de souci. Eh ouais, mais nous on est comme ça, nous on est des fous, regardez-moi ça, on va lui détruire sa cheminée là, je sais plus comment ça s'appelle, là, sa fournaise. Voilà, on va lui détruire sa fournaise là, et regardez-moi ça, on lui fait encore du dégât. Mais c'est un truc de malade mon gars, et en plus il utilise deux d'élixir avec son électruction pour rien. Tu vois, et c'est ça, franchement, mais ce deck, mais jamais je m'en séparerai, jamais, c'est pas possible, je vais le garder jusqu'à la fin, je vais l'améliorer à donf, mon gars. Ah non, mais attends, moi, franchement, j'ai utilisé plein de decks, j'en ai utilisé plein, des petits, des gros, des what the fuck, des... Jamais j'ai eu un deck aussi puissant, quoi, c'est vraiment le seul deck qui est vraiment... Enfin, si, il y a le géant ballon, mais géant ballon, c'est assez aléatoire, alors que celui-là, t'arrives à plutôt bien défendre et en même temps attaquer de ouf. Et ça, ça fait plaisir. Bon, il y a des fois, bien sûr, hein, tu perds, parce que bon, ça arrive, hein, voilà, c'est... je suis pas non plus super bon, j'arrive pas forcément à le manier super bien, mais bon, depuis, hein, j'arrive de mieux en mieux à le manier, mais... Malgré tout, ça reste basique, mais j'ai quand même explosé pas mal de personnes avec, et c'est rare, vraiment, c'est rare quand je me fais vraiment exploser, quoi. T'as vu ce que ça donne, généralement. Bah voilà, tu vois, y a rien à dire à ce niveau-là, y a rien à dire. Laisse-moi le 3 étoiles, s'il te plaît. T'es quand même un enfoiré de pas me laisser 3 étoiles, quand même, hein. Ah, c'est vraiment pas sympathique, ça, hein. Oh là là, regardez, il reste 391. Bon, j'ai eu un petit coffre en or, ça fait plaisir, ça, par contre. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est dommage qu'il m'a pas laissé 3 étoiles, ça aurait été plutôt pas mal. Ça m'éviterait d'attaquer encore pour avoir le coffre à couronne. Voilà, non, on va enregistrer ça comme ça. Bon, voilà. Bon, en attendant, moi, je vous laisse sur ce. Je vais vous dire une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.